Michel Larocque, qui célèbre ses 63 ans ce jeudi 15 juin, a été en couple pendant 15 ans avec le maire de Troyes François Baroin. Ils s'étaient rencontrés grâce à une célèbre fille de Michel Larocque souffle sa 63e bougie ce jeudi 15 juin. L'occasion de se pencher sur l'actrice quelques instants, elle qui s'est récemment séparée de François Baroin. Pour rappel, le tandem a officialisé sa relation à l'été 2008, alors que l'homme politique sortait tout juste d'une relation de 2 ans avec la journaliste Marie Drucker. Il est également le père de 3 enfants, nés de sa précédente histoire avec la journaliste et présentatrice Valérie Brokis. Michel Larocque et François Baroin se sont rencontrés grâce à une célèbre fille de, alors que Line Renaud célébrait ses 80 ans à Paris. C'est en effet Claude Chirac qui est à l'origine de leur rencontre. Dans l'émission Une ambition intime, en 2019, la fondatrice du Sidaxillon était revenue sur les coulisses de ce coup foudre en 2019. Et notamment sur les minutes qui ont suivi les présentations. C'était la fin de la soirée, la musique continuait et d'un seul coup je vois joue contre joue Michel qui danse avec François. Hop, ça y est, c'était d'ailleurs remémoré l'actrice mythique, confirmant cette rencontre dans Une ambition intime, l'émission de M6. Les deux tourtereaux ont toutefois tenu à garder secrète leur idylle pendant quelque temps. Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. Je suis ravi de brouiller les pistes, avait expliqué l'actrice dans une interview accordée au magazine Gala en 2017. Un couple qui vivait donc l'instant présent, sans aucune prise de tête ni de projet concret. Ils n'ont d'ailleurs jamais évoqué l'idée de se marier. Si j'acceptais d'épouser un homme, ce serait un grand progrès dans ma vie. Mais je ne laisserai plus jamais personne me dire ce que je dois faire. Je compte bien rester libre, confiait la comédienne en 2008, déjà pour Gala. Elle était alors déterminée à ne pas reproduire ses erreurs du passé, elle qui s'est déjà unie avec un homme par les liens du mariage. C'était avec le metteur en scène Dominique Deschamps, le père de sa fille Oriane, née de leur amour en 1995. À noter d'ailleurs que mère et fille semblent entretenir de très bons rapports. Elles ont notamment été aperçues très complices dans les tribunes de Roland Garros il y a quelques jours. But there's all times through the rough times I